Rien obtenu. Cantonal, le RPR renonce à toute alliance, même locale, avec le Front National. Querelle des anciens et des modernes autour du catéchisme français. Un César pour Alain Delon, injustice réparée ou opération publicitaire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Partout, le suspense du tournoi des 5 nations est relancé. La prochaine mission de la navette américaine est annulée, le français Patrick Baudry ne partira pas. Cantonal, Laurent Fabius entre dans la campagne au moment où sa cote remonte dans les sondages. Et le cinéma français couronne ce soir ses meilleurs représentants dans la cérémonie des Césars. Mesdames, messieurs, bonsoir. La Lorraine pleure ses morts, les obsèques des 22 mineurs tués lundi ont été célébrées ce matin. Nouvelle-Calédonie, la rentrée scolaire perturbée par le boycott des indépendantistes qui veulent leurs propres écoles. Presse, la commission sur la transparence des journaux est en place, mais quel sera son pouvoir? Rugby à veille d'Irlande-France, les confidences de Patrick Estève, l'un de nos meilleurs ailiers qui n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'ici. Mesdames, messieurs, bonsoir. Israël accepte l'initiative spectaculaire de l'Égyptien Moubarak, un dialogue direct avec des Palestiniens. Sommet franco-allemand à Paris, on est d'accord sur le budget européen, mais beaucoup de problèmes restent dans l'ombre. Économie, la croissance, plus que jamais au centre du débat français. Cinéma, l'Amérique renoue avec ses valeurs éternelles dans le nouveau film de Robert Benton.